Précédemment dans le messager. Ce serait un vaisseau spatial, oui, un vaisseau qui survole la France actuellement. Vous êtes extraterrestre ? Certes, nous avons un ennemi commun. Le messager ? Le messager n'est pas le seul impliqué dans le meurtre de ta femme. Il y a tes amis aussi. Lucas et Emily ? C'est bien ça. Il faut que tu les tues pour moi. Nous avons fait la rencontre de Rorschach, le leader du peuple Korolir. Celui-ci est venu sur Terre pour nous mettre en garde face à la menace du peuple Abios. Ce peuple est présent sur Terre depuis un moment déjà, et n'a pour seul autre but que d'asservir l'humanité tout entière. Nous avons appris hier le meurtre de Elodie Martin à la guerre de Dol, exécuté par le leader de la menace Abios, Anto Belek. Il est vivant ! Je ne suis pas ton jouet. Ouais, bah l'enculé ! Heureusement que je m'étais tout prévu, hein. Rorschach prône la paix et la sécurité pour votre peuple. En fait, il souhaite juste nous anéantir en utilisant votre peuple. Qu'est-ce qui commence ? La fin de votre monde. Comment ça, la fin du monde ? Le plan de Rorschach est en place. Nous apprenons aujourd'hui que Rorschach, le représentant du peuple Korolir venu d'une autre planète, a été nommé par le président de la République à la tête de l'État pour prendre les mesures qui s'imposent face à la menace Abios. En effet, malgré les mises en garde de celui-ci, de nombreuses attaques terroristes viennent d'avoir lieu sur la planète entière. C'est la plus grosse attaque de tous les temps. Rappelons que le leader de la menace Abios, Anto Belek, est toujours recherché par le gouvernement. Si vous avez quelques informations à nous apporter sur cet individu, contactez le numéro qui s'affiche. Bonjour Sadat. Salut Logan, ça va ? Oui, et toi ? Bah écoute, oui, je regarde un peu ce qu'ils font dans le jardin. Je vois que t'as trouvé ton bonheur. Pourquoi tu dis ça ? Je parle de Lucas. Comment ça ? Lucas, c'est juste un ami. Ça a l'air plus que ça. Bah écoute, je sais pas du tout ce qu'il ressent pour moi. Et toi ? Tu ressens quoi pour lui ? Ben franchement... Tu gardes ça pour toi, mais pour moi, je pense que c'est plus qu'un ami, c'est sûr. Et pourquoi tu lui dis pas ? Oh, j'ai peur de sa réaction. Je sais pas comment il pourrait le prendre. J'ai peur de tout casser entre nous. Et tu penses que s'il t'aimait pas, il serait encore là ? T'as toujours la bonne répartie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de toi ? Tu pourrais éventuellement me détacher. Pourquoi t'essayes de me tuer comme tout à l'heure ? C'était un petit malentendu. Mais oui, bien sûr. Ouais. Je suis quand même bien mieux foutu que toi. Parce que tu crois vraiment que tu es le vrai Tony ? Me fais pas rire. Tu n'es qu'un brouillon, tu m'entends, un brouillon ? Dans lequel le doc a renfermé la conscience du premier, rien de plus. Mais tu vas la fermer, ouais ? Ah, bordel ! Qu'est-ce qu'il est en train de raconter, là ? Des mensonges ! Ah oui ? Je mens alors ? Tu veux que je lui dise qui est le vrai Tony ? Ta gueule ! Mais putain, doc, qu'est-ce que tu me caches ? T'es le premier clone de Tony. Moi, je serai un clone. Non, mais... Moi, je suis l'original qui a fait les clones, ok ?
Je serai un... Mais un clone de qui je serai, moi? Allez, Doc. Vas-y. Dis-lui qu'il est vraiment. Ouais, c'est ça. Donc, ok, je suis un clone, d'accord, hein? Mais à partir de qui? C'est qui, Tony? Ouais, Tony, c'est moi. C'est bon? Tout le monde a compris le plan? Oui, je crois, oui, à peu près. Logan, tire le rideau, qu'on soit tranquille, s'il te plaît. Il y a des voisins un petit peu curieux. Et vous êtes sûr que ça va bien fonctionner, ce plan? Il faudra croiser les doigts, comme on dit sur Terre. Et moi, je me servirai à quoi? Toi, Logan, tu seras avec moi. Nous allons couper les circuits de sécurité. En attendant que Anto monte sur le vaisseau. Donc je vais monter sur le vaisseau grâce à cet objet. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un appareil permettant la téléportation. La téléportation? Oui. Grâce à ça, vous allez vous téléporter au château de Rorschach. Des questions? Non, je crois que tout est clair. En effet, seulement. Très bien, alors on y va. Logan, tu viens avec nous. Donc tenez, et n'oubliez pas, attendez que la LED soit verte. Et donc, tu es moi? Non, c'est toi qui es moi. Je t'ai créé à partir de moi. En fait, tu es mon clone. Et par quel miracle c'est possible? Eh oh, on se ressent pas du tout. Je me supporte pas, alors du coup j'ai bidouillé un peu l'ADN de mes clones pour qu'ils soient parfaits. Je vais essayer de prendre ça pour un compliment. Je me suis contenté de ton corps pour les clones, puis après, la suite tu la connais. Oh, comme c'est touchant. Ils sont mignons. Bon, on verra peut-être pour les câlins tout à l'heure. Détachez-moi, maintenant. Arthur, t'es malade? Adieu. Ça va? Ouais, je crois. Et toi? On a échappé belle. Ça, c'est sûr. Ça va pas? Putain, tu saignes! Mon amie Cindy, infirmière, elle m'a donné 2-3 petits cours, mais bon... C'est vraiment très longtemps que j'ai pas fait ça. Ça va aller? Oui, je sens pas grand-chose. Je comprends pas comment la balle a pu te traverser. En partant du revolver. Ouais, d'accord, on s'est quand même téléporté, mais... Il faut faire un bandage, en fait. T'inquiète, ça va aller.
on va essayer de trouver un... Ouais. Je pense pas vraiment qu'on ait atterri au bon endroit. Non. Je crois que j'ai perdu le téléporteur. Tu peux marcher ? Si t'as besoin d'aide, n'hésite pas. Ouais, je peux marcher. On est où ici ? Je sais pas, mais c'est pas vraiment rassurant. Voilà, les sécurités sont désactivées, vous pouvez vous téléporter à bord. Logan, tu me reçois ? Évidemment. Je vais activer l'autodestruction du vaisseau. C'est le calme plat, mais dépêchez-vous parce que j'ai aucune idée de combien de temps ça peut maintenir la sécurité. Tu vas bien désactiver ? Oui, mais ils peuvent le réparer très vite. Je sais. C'est fait. Qu'est-ce que tu fous ici, Anton ? Je suis venu t'arrêter. Et tu t'en crois vraiment capable ? Tu n'étais pas comme ça avant. Tu as changé. Je n'ai pas changé. J'ai évolué. Évolué ? Comment ça ? Mais tu ne comprends rien à rien, Anto. Tu ne vois pas que le gouvernement Apios manipule son peuple comme il le désire. Que dis-tu ? Quelle manipulation ? Mon peuple est libre. Mon pauvre, mais tu es vraiment aveugle. Car que vous manipule comme des moutons. Notre gouverneur manipulait le peuple. Mais tu délires. Cette discussion ne mène à rien. Je crois qu'on n'est plus sur Terre. Effectivement. Vous n'êtes plus sur Terre. Vous ? Oui, moi. Lucas ! Lucas, ça va ? Tu m'entends ? Qui êtes-vous ? Suis-moi. Qu'est-ce que vous nous voulez ? Suis-moi sans faire d'histoire. Ton ami mourra. D'accord, je ferai tout ce que vous voudrez. Ne lui faites pas de mal. On a retrouvé Otto. Il est ici. Préparez les hommes. On y va. Soldat, Rorschach, je sais. Il m'a dit que c'était vous qui commandez.
mais ce sont mes hommes. Alors vous faites ce que je dis quand je le dis. C'est clair? Oui, allons-y. À l'angle sud-est. Il est là! Anto! Anto a été cerné! Adieu, Anto. Tirez! Mesdames et messieurs, nous interrompons le générique pour un flash spécial. En effet, nous venons d'apprendre que Anto Belek, l'être venu d'une autre dimension et leader de la menace terroriste Abios, vient tout juste d'être exécuté par les forces armées.